tout est arrangé. Alors que l'équipe d'Angleterre affronte l'Espagne le 20 août lors de la finale de la Coupe du Monde de football féminine, le prince William s'est attiré les foudres des supporters britanniques. La raison ? Le futur roi d'Angleterre, qui a été nommé président d'honneur de la Fédération anglaise en 2005, a fait savoir qu'il ne serait pas présent dans les gradins du Stadium Australia de Sydney pour soutenir les Lions. Et pour ne rien arranger, la reine Letizia d'Espagne a pour sa part prévu de faire le déplacement. Le Daily Express avait même accusé le prince de marquer contre son camp. Mais le samedi 19 août, à la veille de cette rencontre 100% européenne, le prince de Galles a partagé une adorable vidéo sur son compte X, anciennement Twitter, dans laquelle il encourage les joueuses britanniques. Aux côtés de sa fille, Charlotte. Les Lions, nous tenons à vous dire bonne chance pour demain. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être là en personne, et nous sommes très fiers de tout ce que vous avez accompli, et de l'inspiration que vous offrez à des millions de personnes à travers le monde. Profitez, a-t-il chaleureusement annoncé. Assise près de son père, un ballon rond dans les mains, la fille unique du prince William et de Kate Middleton a conclu la vidéo en disant « Bonne chance, les Lions ». L'année dernière, la princesse de 8 ans avait également adressé ses encouragements aux sportives avant la finale de l'Euro, dont les Lions sont sorties victorieuses face à l'Allemagne, 2-1. Après le discours de son père, la fillette avait fièrement lancé « Bonne chance ». J'espère que vous gagnerez, bye. Ne pas répondre présent, un geste pour l'environnement durant de longs jours, la presse britannique a fustigé le prince de Galles, pour son absence en terre australienne. Le Daily Express voyait pourtant ce déplacement comme étant l'occasion parfaite de faire une tournée dans ce pays membre du Commonwealth. Certaines sources ont même affirmé que le fils aîné du roi Charles III s'exposait à des accusations de sexisme. Toujours selon le Daily Express, la véritable raison de l'absence du prince William à Sydney serait liée à l'environnement. Par peur que sa venue soit interprétée comme un manque de respect envers la planète, l'époux de Kate Middleton a préféré décliner l'invitation qui consistait à faire 17 000 km en avion pour un petit séjour. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, agence.